de suppression puisse être voté. Merci, Monsieur Aubert. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, le terme de fallacieux a peut-être dépassé les propos du, enfin, l'esprit du ministre, parce que fallacieux, ça veut dire qu'il cherche à tromper ou à nuire. Et je pense que nous ne cherchons ni à tromper ni à nuire, mais tout simplement à défendre un principe de précaution, pour une fois, dans la réforme. L'objectif est partagé. Quand vous dites, monsieur le ministre, il s'agit de lutter contre la double tarification, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre, et on voit cet objectif. Après, nous ne sommes pas d'accord sur la méthode. Bon, d'abord, un point de méthode quand même. Vous ne pouvez pas dire c'est aux avocats de nous amener les preuves que la réforme que nous allons mettre en œuvre va leur être défavorable. C'est-à-dire, c'est au ministère d'abord de consulter, de concerter, de prendre les éléments qui vont permettre de faire une véritable étude d'impact. Hein, la responsabilité de l'accusation, c'est celle-ci au tribunal. Eh bien, c'est pareil, vous avez la charge de la preuve. Ensuite, ce que vous êtes en train d'opérer, c'est en réalité une mise en concurrence en élargissant le périmètre d'action des acteurs. Nous savons tous que chaque fois qu'il y a une mise en concurrence, il y a une disparition des acteurs les plus fragiles, quels que soient les secteurs, avec des mécanismes de fusion et de concentration. Donc, ce que nous craignons, c'est qu'en réalité, une réduction des acteurs, au bénéfice des plus gros, des plus puissants, des plus urbains, évidemment. Madame le rapporteur, il se trouve que j'ai participé à la fameuse audition la rapporteure, que vous avez évoquée tout à l'heure. Et vous avez raison, en partie, mais vous avez omis de préciser que ces mêmes acteurs vous ont interpellé sur la question des clients institutionnels, en insistant avec vigueur sur le fait que ces clients institutionnels représentaient une partie importante du portefeuille de certains cabinets, et qu'en élargissant le périmètre d'action, ce qui allait se passer, c'est que les acteurs urbains, les cabinets urbains, allaient capter cette clientèle, parce que c'est plus facile pour un client institutionnel d'avoir un seul avocat. Et donc, on est allé avoir des regroupements. Ils vous ont mis en garde. Or, vous le savez très bien, la disparition, pour certains cabinets, de ce type d'acteurs peut provoquer leur disparition pure et simple. Donc, voilà un élément extrêmement tangible du risque qu'il peut avoir, parce que on le sait, et là encore, on est toujours dans le même débat, c'est que je crois que lorsqu'on parle des professions réglementées, nous avions le même débat tout à l'heure sur les notaires, on s'aperçoit qu'il y a deux types de notaires, deux types d'avocats, plusieurs types de problématiques. Il y a des situations dans les métropoles, dans les villes, où effectivement cette mise en concurrence peut se faire peut-être de manière indolore. Et puis ensuite, il y a des préoccupations qui tiennent à l'organisation, notamment en territoire rural. Et si je prends le barreau de Carpentras, qui est dans ma circonscription, qui est un des plus vieux barreaux, on nous a déjà ôté, avec un certain nombre de réformes judiciaires sous la gauche et la droite, hein, ce n'est pas un procès, dans la réforme de la justice, donc on nous a ôté un certain nombre de compétences, notamment les assises, donc, qui a provoqué une disparition d'un certain nombre d'avocats qui ont préféré se relocaliser. Moralité, ces avocats, en fermant leur cabinet, suppriment une partie de l'écosystème économique d'une commune. Et donc ce que nous craignons, c'est que avec cette réforme, si ça se traduit par une concentration sur des gros avocats, Marseille, Avignon, que sais-je, eh bien, enfin plus exactement, plus à Avignon qu'à Marseille en l'occurrence. Bon, vu les périmètres des cours d'appel. Mais vous voyez bien ce que je veux dire. Nous allons avoir une disparition d'un certain nombre de cabinets et donc par conséquent un impact économique qui sera défavorable. Et voilà pourquoi je vous interpellais, monsieur le ministre, au départ, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un sujet économique. Depuis le début, c'est l'argument que nous tenons. Il s'agit d'un argument également sur le service public, sur l'organisation et l'accès aux droits. Certains de mes collègues vous l'ont dit en filigrane. À partir du moment où vous avez une concentration, et si l'accès aux droits, les points d'accès aux droits, la présence des cabinets avocats se fait à distance, nous le savons, une partie de la population ne fera pas 20, 30, 40 kilomètres pour aller voir un avocat pour des questions de coûts. Et donc, par conséquent, elles perdront cet accès aux droits. Donc, ça ne sert à rien d'un côté de pondre des textes qui affichent des droits
et l'égalité des droits entre les citoyens, et en même temps de créer une réforme qui a peut-être pour objectif un objectif noble, mais avec le risque que nous assistions à une forme de désertification juridique dans les territoires les plus faibles, et que donc par impact négatif, par externalité négative, on se retrouve avec un moindre accès aux droits de ces populations vulnérables. Voilà les principaux points d'argumentation sur lesquels, à mon avis, ça mérite, avant de faire ce bond, et d'avoir une véritable analyse d'impact sur l'organisation territoriale du droit.